La première fois qu'il était à Deauville, Roberto Rodriguez se baladait avec sa copie sous le bras. Depuis, son mariachi a fait un tabac et Roberto s'est accoquiné avec l'autre enfant terrible du cinéma américain, Quentin Tarantino. Aujourd'hui, Rodriguez joue dans la cour des grands et revient sur les planches pour présenter Full Tilt Boogie, un film de Sara Kelly sur le tournage du Nuit en Enfer, son pastiche de film d'horreur avec George Clooney et Tarantino. Interview de Sara Kelly et de Roberto Rodriguez. All right, pop the trunk, let's do this fast. Okay, it's like we open up the trunk, and he says, "Don't," you know, he goes, "Don't say a word," and then to me, "Open the door." Don't say a word. Les making-of ne sont en général que des pubs orchestrées par les studios pour vendre le film, inciter les gens à y aller. On y voit plein de stars. Ils ne montrent jamais les problèmes sur le tournage, qui font partie intégrante d'un film. Tous les films posent des problèmes. Enfin, moi, je préfère parler de défis à relever. Il sait exactement ce qu'il veut, si bien qu'il ne perd pas de temps en organisation. Il doit faire une quarantaine de plans par jour, quelque chose comme ça, parce qu'il est déjà en train de monter le film quand il le tourne. En général, le soir, quand on traînait tous autour de la piscine, qu'on buvait une bière, il était dans sa chambre d'hôtel, en train de monter des scènes. Et le lendemain, il arrivait. Il montait des bandes annonces pour stimuler toute l'équipe. Il prenait ce qui avait été tourné la semaine précédente et il ajoutait des voix dessus, du genre « Une nuit en enfer, le chef-d'œuvre du siècle ». Mes doigts ont beau jouer, je ne pense pas à la guitare. Je réfléchis à tout ce que je dois faire. Il y a tellement de trucs auxquels il faut penser pour faire avancer le film jour après jour. Le montage, les plans, ce qu'on va faire ensuite. Ça me permettait donc de rester calme. C'est pour ça qu'il y a plein de réalisateurs qui gueulent. Ils n'ont pas... Un bon conseil, emportez une guitare.